C'est l'histoire d'un canapé. Elle avait 18 ans et vivait chez ses parents en Suisse allemande. C'était la fin de la guerre. Elle, avec son visage d'enfant rosé par le travail, rentrait du plan Wallen. Lui, enfant de paysan, venait là pour apprendre l'allemand, pour devenir fonctionnaire. Sur le canapé, il s'était assis à côté d'elle. Puis, il lui avait pris la main. Elle enlevait ses vêtements, il la regardait et ils firent l'amour pour la première fois. C'est là qu'ils m'ont conçu. Ensuite, le canapé est devenu l'endroit préféré de mes parents. Il servait de lit pour les invités et de salle d'accouchement.